Elle parlait de Sheila. Même moi, je l'ai deviné. Elle a fait un signe de la main et a lancé une incantation. Puis est arrivé un homme. À sa vue, Derae a crié de frayeur. Quand j'ai poussé Derae, quelqu'un d'autre était dans la pièce. Une femme que Triss a appelée Philippa. Bonjour, Philippa. Triss, tu as l'air en forme. Pourquoi Sheila te laisse-t-elle utiliser son mégascope? Je ne comprends pas. C'est comme utiliser sa brosse à dents. Sheila s'en fiche bien. Qu'est-ce qui amène Sheila à Flotsam? C'est délicat. Il nous faut quelqu'un à la cour, mais Enzel te déteste les magiciennes. En effet. Son fils unique est mort dans un accident de chasse il y a 3 ans. Depuis, le roi n'a pas eu d'enfant. Et ce n'est pas faute d'essayer. Sheila prétend pouvoir guérir les parties défectueuses du roi avec des ingrédients très rares. Qu'elle entend prendre sur le Kairan. Exact. Ainsi, une magicienne gagnera de nouveau l'attention du roi. C'est tout ce que je sais. Qu'est-il arrivé à Triss? Je ne sais pas. Je vous ai déjà dit tout ce que j'ai entendu, juste avant que ces tueurs n'arrivent. Ils m'ont frappé et ont poignardé des raies. Mais j'ai entendu des coups dans la pièce d'à côté. La magicienne criait. Quand les tueurs sont partis en quête de nouvelles victimes, j'ai regardé dehors. J'ai cru voir Cédric se faufiler dans les allées qui mènent à la forêt. Merci, Margot. Je vous revaudrai ça. Attendez. Donnez ceci à Yorvet. Une lettre? Le nom de ceux qui ont tué Derae. Il comprendra. Vous espionnez pour Yorvet? Je l'aide de temps à autre. Contentez-vous de lui donner. J'essaierai, mais je ne promets rien. Jaskier, attends-moi là. Je vais chercher Cédric. Le sang de Cédric. Il a dû laisser une trace.
alors, Cédric? Où êtes-vous? Kidmill, Quinblade, je n'ai plus mal. J'ai toujours voulu mourir parmi les arbres. Cédric, qu'est-il arrivé? Triss a demandé mon aide. J'ai tué le douane qui gardait la porte, et nous sommes entrés. J'en ai tué un autre. Je sais. Où est Triss? Un sorceleur nous a attaqués. J'ai tenté de protéger Triss, mais il était trop rapide. Il l'a frappée avant qu'elle ne puisse lancer un sort. Il savait comment se battre avec une magicienne. Puis, il lui a ordonné de mettre en marche le mégascope. Il voulait se rendre en Aedirne, près de Vergen. Triss a dit que c'était de la folie, qu'elle n'avait pas les coordonnées. Il lui a lancé un regard menaçant, et il a dit « Tu y vas la première, alors tu ferais mieux de t'appliquer. » Puis j'ai perdu connaissance. À mon réveil, ils étaient partis. J'étais à l'agonie. La forêt m'a appelé. Pourquoi vous en êtes-vous mêlé, Cédric? Et vous? Parfois, on n'a pas le choix. Je vous ai parlé de mes visions. C'est pour ça que je bois autant. La vodka, ça m'aide. Je ne vois rien. Je ne sens rien. Cédric, calmez-vous. J'y vois clair maintenant. Vous devez retrouver la mémoire. Vous comprendrez alors qui tue ces douanes couronnées. Et pourquoi? Comment la retrouver? En Aedirne. Dans un lieu sali par la magie noire, où les fantômes des défunts livreront une grande bataille. Sauvez leur âme, et vous retrouverez la mémoire. Que se passe-t-il? La forêt. Je sens une présence. Ils viennent vous dire adieu. La forêt. Va fail, Greenblade. Adieu. Geralt, où étais-tu passé? Le tueur de roi, bon sang. Je le tenais. S'est enfui? Téléporté en Aedirne. Quoi? Comment? Il a forcé Triss à lancer un sort. Merde! Roche m'a envoyé te chercher. Nous partons. Il a de nouvelles informations. Est-ce que Yatel prépare un gros coup? Que manigance, Roche? Il a pesté contre Loredo, donc ça doit concerner le gouverneur. Quelque chose d'important. Que prépare les Scoia'tael? Ils ont besoin de ton aide pour prendre d'assaut la péniche. Depuis quand es-tu un Scoia'tael? Ce n'est pas si simple. Ils les emmènent à Drakenborg, une prison pour les non-humains.
dirigé par la haine des humains. J'irai leur parler. Peut-être que Roche ou les Skoyatel seront enfin utiles. Yorbet t'attend, Douane. Où est-il? Il a forcé Triss à les téléporter en Eidirne. Non. Les Skoyatel d'Eidirne paieront de leur vie pour mes erreurs. Elias, prépare l'unité. Vous partez sur le champ. Il y a eu un pogrom à Flotsam. Le sang de ton peuple coule dans les rues. Je sais. Et j'ai besoin de ton aide. Tu veux que je tue des humains à tes côtés? Ces douanes méritent la mort. Mais là n'est pas la question. Notre but, c'est le Hoedirne. C'est à 2 jours de marche. C'est trop loin. J'ai tout prévu. Comment ça? Accepte d'abord de nous aider. J'accepte. Nous attraperons l'étau ensemble. Parfait. Ne perdons pas de temps. Prenons d'assaut la barge pénitentiaire. Toi et quelques elfes, vous voulez vous emparer d'un navire dans une ville qui vient de subir un pogrom? Oublie ce que j'ai dit. Tu n'as rien d'exceptionnel, tu es juste fou. J'ai l'impression d'entendre ma mère.
Je suis là. Enfin. Le comptoir est en ébullition. Tu es sûr que c'est bien sage? On n'entrera pas en ville. Divisons l'unité. Prends mon meilleur éclaireur et attaque depuis le port. Je descendrai la rivière avec les autres. La plupart des gardes devraient être au comptoir. Le massacre joue donc en notre faveur? Je ne dirais pas ça comme ça, mais oui. Bien. Le port pourrait être dangereux. Tu t'attendais à quoi? Un salon de thé? Non, mais on devrait employer la même ruse qu'avec l'étau. Dans ce port, nous serons livrés à nous-mêmes. La plupart des gardes se trouvent au comptoir. Il n'en reste que quelques-uns sur la barge. Ils seront morts avant même de pouvoir dégainer. On donnera alors le signal aux autres. Aucun ne s'en sortira cette fois. Très bien. Faisons à ta manière. Skoyatel! Evelyn! Fryed! Fryed! Suivez-moi! Nous y sommes. Nous devons passer la porte. Ça va être du Lembas. Quoi? Rien, Douane. En avant! Qui va là? Un sorceleur. J'ai capturé un elfe. Jolie prise. C'est Yorvette en personne. Loredo va en mouiller son futal. Il m'a demandé de l'emmener sur la barge. On va couler cette épave. Ici même? Et polluer l'eau? Non, on va faire ça plus loin, en aval. Allons-y. On tient Yorvette! Fermez bien les portes! Que même une puce ne puisse pas s'échapper! Tu sais ce qui est amusant, Gwynblade? Quoi donc? J'ai fait de la vie de ces douanes un enfer. Et pourtant, je ne suis jamais venu ici auparavant. Et le revers de la médaille te plaît? Eux aussi me voient pour la première fois. Et ils ne semblent pas rongés par le remords. Ils devraient? Sans doute pas. Ils veulent me voir mourir et inversement. Il en va ainsi dans ce monde. Le revers de la médaille est une invention des philosophes d'Oxenfurt qui n'ont jamais été dans des lieux comme Flotsam. Personne ne va mourir aujourd'hui, Yorvette. En dehors des soldats du commandant. Hé hey, où vous allez avec cet elfe? C'est Yorvette. Loredo m'a demandé de l'emmener sur la barge. Merde alors! Yorvette en personne! Ce peigne-tu a tué mon frère. Ça vous gêne si je règle un peu mes comptes? Pousse-toi. On n'a pas le temps pour ça. Pourquoi? J'ai reçu l'ordre de l'emmener sur la barge. Tu es un amoureux des elfes ou quoi? Pousse-toi, ou tu ne reconnaîtras plus ta bouche de ton cul. Ah, et puis merde! Que ce fils de garce aille pourrir en prison! Ah! Ce sont les douanes comme ce petit enfoiré-là que je préfère. Les lapider, c'est comme enlever les mauvaises herbes. Un simple merci aurait suffi. Mais oui, tu es mon héros. Vous allez où comme ça? J'emmène Yorvette sur la barge. Ordre de Loredo. Oh, c'est là. Ah.
Ceux de gauche, toi ceux de droite. J'étais sûr que tu t'allierais avec ces pourris. Tu te prends pour un héros, hein? Va-t'en! Et ces gars seront brûlés vifs. Allons-y. Nos femmes sont prêtes à mourir. Il est hors de question qu'il les massacre. Sorceleurs, sauvez les elfes! Le commandant a perdu la tête! Et vous? Fils, le sorceleur a raison! Ah!
s'est enfui. Gwynplaine, Loredo appelle des renforts. Nous devons partir. Le rez-de-chaussée, non. Sautez. Impossible, nous sommes attachés. Aidez-nous. Loredo s'est échappé. Il ne vivra pas longtemps. Si les habitants ne le tuent pas, quelqu'un d'autre le fera. Ça n'a pas d'importance. Tu as sauvé nos femmes. Nous te sommes redevables. Aide-moi à trouver le régicide et Triss, et on sera quitte. Dans ce cas, en route pour Vergen. Larguez les amarres ! Vernon Roche a pu prendre le large sans accroc ? Il va bien, si telle est ta question. Nous avons même bavardé un moment. Tu peux t'imaginer ça? Je voulais qu'il sache que s'il pouvait mettre les voiles, c'est uniquement parce que je le lui permettais. Les forces spéciales témériennes, créées par Foltest après la première guerre contre Nilfgaard, pour combattre les Skoyatel. Des vétérans, des professionnels, la crème de la crème. C'est la fin, Roche. Tu vois ces insignes? Il ne me manquait plus que l'hélice de Temeria. J'ai vaincu tous les commandants des forces spéciales du Nord. Maintenant, je peux enfin unir les Skoyatel. Termine ce que tu as commencé. Je ne te tuerai pas, Roche. Nous, les Hanseid, n'exterminons pas les espèces en voie de disparition. Vis, et souviens-toi par qui tu as été vaincu, car il peut te vaincre à nouveau. Va, Fail, Vernon Roche. Tu commets une erreur, Yorvet. Je te retrouverai. Hissez la grand voile! Ce n'est que le début. Mais je me réjouis que tu aies choisi mon camp. J'aimerais en être aussi sûr. Il faut dire que l'assassin s'était bien joué de nous. Il avait enlevé Triss Merigold. Comme si la mort de Foltest ne lui avait pas suffi, il semblait vouloir celle de la conseillère royale également. Sans perdre un instant, j'attrapai Geralt et je l'emmenai en amont de la rivière, dans les profondeurs de la vallée du Pontard. D'après les elfes, c'est là-bas que les hommes libres s'étaient rassemblés sous les bannières de Vergen pour résister à l'envahisseur kédouénien. Il me faut citer les personnes remarquables qui s'étaient jointes à nous dans notre périple. En général, la présence de Skoyatel me rend nerveux. À mes yeux, ce ne sont que des brigands et des meurtriers. Mais je dois admettre que Yorvet et sa troupe infâme nous ont bien aidés. Ils se sont révélés être d'une grande aide. D'un grand secours, disons. Thank you.
3000 hommes, réduits en tas de cendres. Je me souviens de la stupeur générale quand la nouvelle est arrivée à Vengerberg. Le palais, les rues, les maisons, la capitale tout entière était plongée dans le silence. Juste là, ils ont crié jusqu'au dernier. J'étais quelque part derrière cette colline, au cœur du massacre. Quelles sont vos intentions, Saskia ? Je compte empêcher qu'Edirne soit vendue. Nous ne pouvons pas assumer de guerre contre Henselt. Nous devons négocier. Prince, laissez-moi me charger de cela. Henselt est dans ma ligne de mire. D'après Yarpen Zigrin, il serait très irritable. Incitons-le à attaquer, et nous négocierons une fois la guerre gagnée. J'ignore toujours pourquoi les nobles nous ont trahis. Au diable, les nobles! Depuis que mes paysans les ont éparpillés dans le Difne, ils sont insignifiants. Par le divin Crève, Altesse, cette femme est l'incarnation d'un démon. Premièrement, cette femme a un nom. Deuxièmement, c'est le meilleur commandant que j'ai. Tous les autres m'ont trahi. C'est un monstre. Saël m'a parlé en rêve. J'ai vu une démone au corps de serpent engloutir votre héritage. Silence, Olcan. Nous arrivons au lieu de rendez-vous. Nous signerons tout, Votre Majesté, et vous... Nous avons des invités. Bienvenue, Stennis, fils de Demavend. Joignez-vous à nous. Salutations, Henselt. Vous semblez chez vous, en Edirne. Vous êtes là, et cependant, je ne me souviens pas de vous avoir invité. Fellart s'en est chargé pour vous. Je suis venu à sa demande. Je vous rappelle d'ailleurs que je n'ai rompu aucune trêve, ni aucun traité. À ce jour... Ah oui. Monsieur Brogan, veuillez raccompagner le comte Fellart et le faire taire à jamais. Vous n'oseriez pas ! Vous n'êtes pas roi ! Votre père... Mon père est mort. Mon peuple est en deuil et vous osez trahir son nom et son pays. Votre Majesté, j'implore votre protection. Ce jeune homme a perdu la tête. Emmenez-le. Votre Majesté, et notre accord. Je n'ai plus besoin de vous, Fellart. J'ai Stennis. D'autres objections ? Parfait. Passons aux choses sérieuses. Bien dit. Je suis on ne peut plus sérieux. J'ai plus de 200 hommes établis près d'ici, capables de tenir plusieurs heures, et 5000 autres parés au combat sur l'autre rive. Que dites-vous de cela ? Ça fera 5000 hommes qui périront au pied de Vergen. Réfléchissez, mon garçon. Ce territoire n'est qu'une marche frontière. Un lopin de terre. Cédez-le-moi, et vous garderez votre couronne. Opposez-vous, et je vous écraserai sans pitié. Renoncez à la basse marchie, et regagnez Vengerberg. Ce lopin de terre génère plus de revenus que toutes les forêts du Grand Kedwen réunies. Le Haut Edirne est une source de richesse intarissable. Et vous voulez que j'y renonce ? Ou que je vous le vende, peut-être ? Et vous paierez en baie sauvage, en peau de bête ? Ce sont vos armées qui se chargent de la cueillette. Vous avez raison. Mieux vaut vous l'arracher des mains. Vous ne m'impressionnez pas. Peut-être. Ou bien vous jouez au brave Coquelet, mais tremblez de peur à l'intérieur. Qui sait ? Vous êtes peut-être à deux doigts de craquer. Dois-je vous pousser ? Essayez. Cette discussion me fatigue. J'ai le dessus, et aucun de vos arguments brillants ne pourra changer cela. Vous savez que je ne partirai pas les mains vides. Que décidez-vous ? Repliez-vous de l'autre côté du pontard, et renoncez au Haut Edirne une bonne fois pour toutes. Oh là, attendez ! Je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Qu'aurais-je à y gagner ? La paix. Vous vous fichez de moi ? C'est un jeu ? Vous allez finir par l'avoir, votre guerre, petite merde. Ravalez vos menaces. Nous sommes venus pour parler. Assez de blabla. Montrez-moi votre épée. Saskia. Je suis prête. Vous dansez, Majesté ?
et Melitel, arrêtez! Par la sainte troupe de la mère créatrice, Geralt de Rive. Et en bonne compagnie, dites-donc. Yarfen Sigrid. Ça fait un bail, vieux. Ravi de te voir en bonne santé. Geralt, t'as vu un fantôme ou quoi? Allez, viens donc embrasser ton vieil ami. Geralt n'a pas vraiment toute sa tête. Ah, alors c'est vrai, il a tué Foltest. C'est pas moi qui vais me plaindre. Foltest n'était qu'un pisse-vinaigre. T'as bien fait, Geralt. Tu n'y es pas. Il a perdu la mémoire. Et je n'ai pas tué Foltest. Oh, peu importe. Quelqu'un l'a fait. Mais nous avons de plus gros soucis. Où est Saskia? Ah, que fait ce boucher ici? Je viens avec une centaine d'archers, les meilleurs du monde. Nous venons vous aider. Eh bien, vous attendrez. Saskia et le prince Pénis... Stennis sont partis négocier avec Henselt. Les gars et moi, on attend, au cas où ça dégénère. La nuit tombe. Appelez la magicienne! Viens, Geralt. Ah!
chouette. Philippa, elle va nous guider. Yorveth, il va falloir m'expliquer. Par les règles, des spectres. Il redoute l'argent, je vous couvre. Mais non, c'est moi. La Oh!
Ah, je déteste le brouillard. Saskia, tout va bien ? Ce n'est que superficiel. Vous et le sorceleur nous avez sauvés. Je suis là pour vous protéger. Et vous, sorceleur ? Je recherche un régicide qui a enlevé Triss Merigold. Et l'a amené ici ? C'est un interrogatoire ? Il y a des mandats contre vous en Temeria, Kedwen et Redania. Et puis, je suis responsable de la sécurité de Saskia. Assez, Philippa. Vous m'avez dit vous-même que vous le croyez innocent. Saskia, les gens s'impatientent. La nuit soudaine, les écureuils qui débarquent. Le brouillard, c'est trop pour eux. Certes. Convoquez les commandants dans la salle de réunion. Yorvet, laissez-moi du temps. Sorceleur, Philippa, joignez-vous à nous. J'aimerais savoir ce qu'il en est de cette anomalie et comment m'en débarrasser. Ne vous en faites pas, Yarpen. Le légendaire Loup Blanc et l'illustre Philippa Eilart devraient avoir une solution contre ces spectres enragés. Je veux voir tous les commandants dans la chambre du conseil, ainsi que Philippa. Vous aussi, sorceleur. Cécile, les portes doivent rester closes jusqu'à la fin. Sinon, je vous tonds la barbe. Bienvenue à Vergen, sorceleur. Je suis l'ancien, Cécile Burton. Geralt de Rive. Nous avons une chambre de libre à l'auberge. C'est peu, mais au moins vous aurez un toit et un bon lit. Merci, ça fera l'affaire. Skalen, accompagne Maître Geralt à sa chambre et rends-toi au cabinet du Père Olcan à ton retour pour informer tout le monde qu'il nous a quittés. Faut dire, il est mort en héros, tué par les envahisseurs. Exact. Vous voyez, Maître Sorceleur, il est futé malgré son jeune âge. On devrait en tirer quelque chose.
voici votre chambre, sorceleur. On dit que Selkirk de Goleta a dormi dans ce lit avant la bataille. Ça ne lui a pas porté chance, mais au moins il était bien reposé avant de mourir. Avez-vous besoin d'autre chose ? Non, merci, Skellen. Vous avez manqué une sacrée bagarre, messieurs. Et une occasion de tuer un roi. Il y a eu un affrontement, le prince a été blessé. Vous avez tous vu le phénomène magique sur le champ de bataille ? Pour ceux qui auraient des doutes, ce n'est ni une brume normale, ni une illusion. Je crois que nous avons affaire à une malédiction du sang, ancienne et puissante. On ne sait ni qui l'a lancée, ni pourquoi. Bref, j'ai une bonne et plein de mauvaises nouvelles. La bonne, c'est qu'Anselt et son armée sont retenus en ce moment même. Et les mauvaises ? La brume va s'étendre, peut-être même engloutir Vergen. Et des spectres risquent d'en émerger. On peut les conjurer ? Avec une hache dans la tête ? En théorie, oui. Mais je suggère de placer votre foi dans une arme en argent. En outre, les fantômes s'affaibliront en s'éloignant de la brume. Peut-on se débarrasser de la brume ? L'exorciser ? C'est une question pour moi et Geralt de Rive. Le tueur de roi ? Contrairement à ce que peuvent dire les vieilles au puits, il n'a tué aucun roi. Bien sûr, il ferait pas de mal à une mouche. Y a qu'à le regarder dans les yeux pour voir que c'est un grand sensible. Qu'importe. Personne ne sait mieux que lui comment lever une malédiction. Messieurs, je ne vous demande pas de comprendre ce phénomène. Mais j'insiste sur quelques précautions à prendre. C'est parti. Personne ne doit approcher le brouillard, il est mortel. Nous devons connaître l'histoire de cette guerre. Pour cela, je compte particulièrement sur l'aide de Cecil Burdon. À votre service, madame. Merci. Pour lever la malédiction, il nous faut des objets symboliques de la guerre appartenant à ceux qui ont péri il y a 3 ans. Oh ! Il y a plus de ferraille datant de cette époque que de poux dans la barbe de Cécile. Je pensais qu'on prenait plus au sérieux le... Merci, mais le cerveau, c'est moi, monsieur Zigrin. Et j'apprécierais que vous...